Véritable monument du cinéma français, Gérard Lanvin possède l'une des plus belles filmographies de l'histoire du 7e art en France. Alors qu'il sera prochainement à l'affiche d'une nouvelle comédie, baptisée J'adore ce que vous faites, l'acteur était l'invité de l'émission En aparté, diffusée lundi 4 avril 2022 sur Canal+. Dans ce nouveau film, prévu pour sortir au cinéma le mercredi 18 mai 2022, Gérard Lanvin joue son propre rôle à l'écran. Il donnera notamment la réplique à l'humoriste Artus, révélé dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2, qui interprète pour sa part le personnage d'un fan de l'acteur un peu trop envahissant. Profitant de son passage dans l'émission de Canal+, Gérard Lanvin a adressé un petit tacle au réalisateur Patrice Lecomte, célèbre pour avoir dirigé la troupe du Splendide dans la trilogie culte des Bronzés. Pour mémoire, les deux hommes ont déjà collaboré sur un long métrage en 1985. Cette année-là, Gérard Lanvin donnait la réplique à Bernard Giraudot dans le film intitulé Les Spécialistes, mis en scène par Patrice Lecomte. Le succès en salle est immédiat, étant donné que ce long métrage a récolté plus de 5 millions d'entrées durant son exploitation au cinéma. Il s'agit là du deuxième plus gros succès commercial du cinéaste, derrière Les Bronzés 3, 10 millions d'entrées. Cependant, Patrice Lecomte n'a plus jamais évoqué Les Spécialistes par la suite, ce qui n'a pas manqué d'agacer Gérard Lanvin. Gérard Lanvin sur Patrice Lecomte, si est-il bizarre d'avoir un problème avec la popularité? Patrice Lecomte nous a proposé de faire Les Spécialistes, on a dit oui. Il n'a jamais parlé de ce film. Si est-il bizarre d'avoir un problème avec la popularité? Ce film est populaire, Patrice Lecomte n'en a jamais parlé. Incroyable, si est-il son plus gros succès. Il ne m'a jamais rappelé. J'ai fait des entrées au cinéma et j'ai l'impression d'avoir été puni d'avoir fait des entrées. Par contre, il a rappelé Bernard Giraudot pour un film. Ce n'est pas très grave, mais je me fais des réflexions sur le comportement des autres, a déclaré le comédien durant son passage dans En aparté. Loading Widget.